Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. Un seul titre à la une de l'actualité de ce mercredi 9 novembre 2016. C'est officiel, Donald Trump est le 45e locataire de la Maison Blanche. Le républicain a battu sa rivale démocrate Hillary Clinton en rassemblant 289 grands électeurs contre 218. Le résultat qui a provoqué une onde de choc dans le monde. La candidate démocrate s'est exprimée tout à l'heure, plusieurs heures après sa défaite. Celle-ci a remercié ceux qui l'ont soutenue et elle espère que Donald Trump sera un bon président pour tous les Américains. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Je vous l'annonçais en titre, Donald Trump est le 45e président des États-Unis d'Amérique. Il a battu Hillary Clinton en rassemblant 289 grands électeurs contre 218 pour sa rivale. Voici le portrait du nouveau locataire de la Maison Blanche, portrait dressé par nos confrères de VOI. Durant cette saison électorale, aucun candidat n'a autant surpris l'électeur américain que Donald Trump. À 70 ans, certains disent qu'il n'a pas beaucoup changé depuis l'âge de 7 ans. Né dans le Queens, à New York, le jeune Donald a grandi dans le quartier riche de la Jamaïque. Il était le quatrième de 5 enfants. Son père était très autoritaire, très exigeant. Il était le boss. Et bien sûr, Donald a hérité de ses traits et caractéristiques. En 1968, Donald Trump est sorti diplômé de la prestigieuse école des finances, The Wharton School. Avec son père, impliqué dans des projets de construction dans le Queens et Brooklyn, Donald a jeté son dévolu sur le quartier East River de New York. Trump avait cultivé des contacts d'affaires de son père. Avec son soutien, Trump a mis en place sa propre entreprise avec un investissement d'$1 million. New York est le plus grand marché de l'immobilier dans ce pays. Et Trump est un entrepreneur moyen. La plupart des gens se disaient qu'il était un succès médiocre. Il a eu quelques succès, mais il a aussi eu quelques échecs. Dans les années 1970, le ministère de la Justice a accusé la société de Trump de violer la loi sur l'égalité dans l'immobilier, puisqu'il avait empêché les minorités de la location de louer dans ses bâtiments. Trump a réglé l'affaire à l'amiable. Il est peut-être mieux connu pour la Tour Trump, un complexe de $200 millions et des boutiques de vente au détail, 6 niveaux, atrium, 58 étages et une chute d'eau de 18 mètres. Trump est également connu pour la construction de casinos à Atlantic City, dans le New Jersey. D'abord Trump Plaza, puis le château de Trump, ensuite le Taj Mahal, qui coûte près $1 milliard et qui a finalement fait faillite. Lorsque le marché de l'immobilier a chuté en 1990, la valeur de son empire est passée de $1,7 milliard à $500 millions. Il a emprunté de l'argent et a trouvé de nouveaux investisseurs pour éviter la faillite. Son émission de télé-réalité, The Apprentice, a fait de Trump une star. Les participants faisaient la compétition pour être des gestionnaires dans l'empire Trump. You're fired. Trump a été payé plus de $200 millions pour cette émission. Trump a montré publiquement son intérêt pour la politique la première fois à la fin des années 80. Il a rejoint le Parti réformiste, le Parti démocratique, puis est devenu indépendant. I am officially running for President of the United States. Le candidat Trump a multiplié des déclarations controversées. When Mexico sends its people, they're not sending their best. Lorsque le Mexique envoie ses gens, ils n'envoient pas les meilleurs. Ils ne vous envoient pas, vous. Ils envoient des gens qui ont beaucoup de problèmes et ils nous apportent ces problèmes. Ils viennent avec la drogue, ils viennent avec des crimes. Ils sont des violeurs et quelques-uns, j'imagine, sont de bonnes personnes. Sa solution controversée, construire un mur à la frontière des États-Unis. Ensuite, Trump a appelé à une interdiction d'entrée des musulmans aux États-Unis suite à une attaque terroriste en Californie.
et Hillary Clinton, qui a reconnu sa défaite dans un appel téléphonique à son rival républicain Donald Trump, s'est exprimé avec plus d'une heure de retard. Il était exactement 17h30. Avec un sourire, elle a d'abord remercié ceux qui sont venus la soutenir. Elle a évoqué Donald Trump, auquel elle a passé. Elle a téléphoné après l'annonce de sa victoire. Tout en le félicitant, elle dit lui avoir proposé de travailler ensemble pour les États-Unis et elle espère qu'il sera un bon président pour tous les Américains. En Afrique, l'élection de Donald Trump a fait l'effet d'une douche froide. Mais après la surprise, les commentateurs estiment qu'il revient aux Africains d'en tirer les conséquences et de s'adapter au nouvel ordre mondial en rappelant que le départ de Barack Obama ne manquera pas de rassurer certains chefs d'État accusés de s'éterniser au pouvoir. Mireille Siabi. Après que les urnes aient livré leur verdict aux États-Unis d'Amérique avec l'élection de Donald Trump, les réactions se font entendre. Interrogés sur les enjeux de cette révolution américaine pour l'Afrique, certains observateurs estiment que l'accession du héros de l'Amérique blanche et rurale serait un séisme pour le reste du monde, notamment l'Afrique. Le candidat républicain a fondé sa campagne sur la promesse de rendre sa grandeur à l'Amérique. Pour certains analystes politiques africains, il est impossible pour le républicain de pouvoir diriger les États-Unis d'Amérique sans tenir compte du reste du monde, surtout de l'Afrique. La diplomatie pétrolière qui est celle, par exemple, des États-Unis depuis Bush père et fils, on se rendra bien compte qu'il va falloir savoir aussi que dans le contexte de l'Afrique, on aura toujours ces deux Afriques-là. Une Afrique utile pour sa diplomatie pétrolière et une Afrique inutile parce que n'ayant pas cette diplomatie. Pour un pays comme le Cameroun, il faut le savoir, nous qui nous situons dans le golfe de Guinée, qui est potentiellement l'un des espaces où les ressources pétrolières sont abondantes, il ne faut pas s'attendre à ce qui est particulièrement un grand changement à ce titre-là. Une autre opinion estime qu'en pareille situation, c'est la prudence qu'il faut observer pour le moment et voir ce que l'Amérique deviendra surtout dans le cadre de ses relations avec le continent noir. Toujours est-il que Donald Trump restera dans l'histoire. Il deviendra probablement pas seulement le 45e président des États-Unis, mais celui de qui on se souviendra, car il aura bouleversé l'ordre établi par le système américain. Et vous avez tendu votre micro, Mireille Siabje, question de capter les premières impressions après cette élection américaine. Morceau choisi. À Donald Trump, pour moi, c'est un psychopathe. Il va trop faire souffrir les gens. Comme les sans-papiers sont vraiment dans les problèmes et ils risquent même les chasser des États-Unis. Donc, moi, ça ne m'arrange pas du tout. Moi, j'aurais voulu que Hillary Clinton gagne juste parce que son adversaire est trop homme d'affaires. Et la politique, ce n'est pas les affaires. Et ensuite, il est raciste. Il y a 24 heures qu'on nous a montré un président noir et après une femme présidente de la République. Donc j'aurais préféré qu'une femme gagne l'élection à la présidence de la République aux États-Unis pour une première fois. Trump ou Hillary Clinton, franchement, depuis un bon bout de temps, la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique n'a pas fait grand-chose. Donc Trump, lui, il a été véridique. C'est l'exemple de peut-être la France. Pendant que, comment ça s'appelle, Ségolène Royal était devant Sarkozy, elle a perdu tout simplement parce qu'elle n'était pas, elle ne disait pas ce que les Européens voulaient entendre, les Français voulaient entendre. Trump, lui, il a dit ce que réellement les Américains pensent. Donc. Je suis un peu déçu. Je crois que Hillary Clinton, Madame Hillary Clinton devait gagner. Malheureusement, Donald Trump a gagné. Pour moi, je trouve que c'est un peu défavorisant pour nous, les Africains, qui aspirons à aller aux États-Unis. La question de Trump, moi je dis que c'est un truc qui ne nous concerne pas. Ça concerne les Américains. Il ne faut pas que les Africains s'intéressent à ça. Donc ça ne nous concerne pas, ça concerne plus les Américains. C'est tout. Je vous annonce qu'au cours de ce journal, nous pourrons avoir nos confrères de VOA pour avoir l'ambiance en ce moment du côté des États-Unis. En attendant, la cinquième phase de distribution de dons alimentaires spéciales du chef de l'État, Paul Biya, concernant plus de 30,
3500 élèves déplacés a été présidé à Mora, dans le Mayo-Sava, c'est dans l'extrême nord, par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebea, ici. Des sacs de riz, de maïs et autres objets leur ont été remis. Théodore Temga et Ousseni Moubarak. La cinquième phase de distribution du don alimentaire spécial du président de la République, son Excellence Paul Biya, a concerné plus de 3500 élèves du primaire et du secondaire dans le Mayo-Sava. Déroulée ce jour à Mora, elle vient ainsi réconforter les apprenants qui ont, à cause des exactions de la secte terroriste Boko Haram, quitté leur école. Sous l'œil vigilant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebea, ici, il a été question de faire quelques recommandations. Ma présence ici, en ce jour à Mora, vise à poursuivre les activités de cet important comité depuis le lancement de la série de distribution de ce don, de cet important don du chef de l'État, engagé depuis plus d'un an, en 2015. Aujourd'hui, nous en sommes à la cinquième opération du genre. Opération destinée, cette fois, à la prise en charge alimentaire au profit des élèves déplacés, victimes de l'insécurité perpétrée, entretenue par la secte Boko Haram dans cette région de l'extrême nord. Le don constitué de sacs de riz, de maïs, des cartons de sucre et bien d'autres objets ont été acheminés à Mora, grâce aux bons soins du comité régional de distribution. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebea, ici, avant de quitter la région de l'extrême nord, a eu à tenir une réunion d'information et de sensibilisation avec les jeunes agriculteurs de la région, ceci afin d'apporter des éclairages sur les dispositifs d'accompagnement en faveur des jeunes agriculteurs. Et nous vous le disions hier, le ministre des Transports a prescrit des mesures de sécurité que doivent désormais respecter chaque voyageur avant d'emprunter un bus ou un car de transport en commun. Entre autres, il s'agit de s'assurer de la sobriété du chauffeur, refuser toute surcharge et s'assurer du respect de la vitesse maximale de 90 km/h pour les transports en commun. C'est pour s'assurer de la bonne compréhension de ces mesures que le délégué régional des Transport pour le littoral a fait ce jour un tour dans quelques agences de voyage. Et après sa tournée, elle a bien voulu dire quelques mots au micro de Spectrum Télévision. Pour ce don, ce jour dans la région du littoral, suite aux hautes instructions du ministre des Transports, au lancement de la campagne spéciale de prévention et de sécurité routière. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sensibilisation des usagers de la route en prélude dans quelques jours à la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football et aussi en prélude aux fêtes de fin d'année. Il est question d'assainir ce secteur, notamment sur les surcharges, les mauvais états de véhicules, la conduite en état d'ivresse et surtout l'excès de vitesse. Nous avons surtout appelé les usagers à dénoncer tous ces faits, de ne pas prendre des bus en mauvais état, de ne pas parler aux conducteurs et surtout de ne pas utiliser, de dénoncer tous ces comportements-là, ceux les conducteurs qui utilisent le téléphone parfois au volant. Vous l'avez compris, c'était plutôt le chef de la division de la police et de l'organisation administrative. Circulation routière à Bafoussam. Nous sommes dans la région de l'Ouest. On observe des bouchons sur tous les axes de la ville, mais celui du lycée bilingue Lycée Technique Canada reste l'objet de toutes les curiosités. Sur ce tronçon, le risque d'accident est permanent. Alexis Bémo et Flore King. Circuler dans la ville de Bafoussam est un véritable parcours du combattant. Très mal à l'aise dans la ville de Bafoussam, avec les creux partout.
Vous voyez vous-même l'embouteillage qui se passe là, on n'arrive pas à circuler librement. Le sens interdit, vraiment, on dirait que nous sommes au village. Mieux même, c'est le village parce qu'on a remblé les trous. Aux heures de pointe, piétons et véhicules vont dans tous les sens. L'axe lycée bilingue de Bafoussam et lycée technique Canada est l'un des chemins dits de calvaire. Ici, écoliers, élèves et travailleurs se partagent le peu de bitume qui reste. Difficile de distinguer le trottoir de la chaussée car le véhicule, évitant les nids d'éléphants, zigzague et les piétons également. Une situation qui pousse certains citoyens à interpeller les élus locaux. On demande encore, n'est-ce pas, à tous ces gens de la mairie de pouvoir revoir leur programme. Le commandant Oyono Maison, chef du groupement d'intervention routier pour l'Ouest, déplore son inefficacité à gérer cette situation car, relève-t-il, face au mauvais état de la route, même un effectif de 1000 policiers ne pourrait pas faciliter la circulation sur cette axe comme beaucoup d'autres à Bafoussam. En attendant un changement, piétons et véhicules faufilent. Cérémonie groupée de prestations de serment des experts nouvellement agréés. C'était ce 9 novembre au tribunal de première instance de Bounandjo, c'est ici à Douala. Ils étaient 25 jeunes experts techniques, issus de plusieurs cabinets d'experts et représentant les quatre différentes sections de la chambre, à savoir l'automobile, bâtiment et immobilier, et le segment industriel électrique et informatique également, la télécommunication et les transports. Désormais, comme mission, ils devront, entre autres, évaluer le coût des dommages ou préjudices subis par un tiers, être à l'écoute. Car en plus d'une compétence technique, les experts doivent avoir des aptitudes relationnelles, écoute et compréhension. Je vous propose à présent d'écouter le président de la Chambre professionnelle des experts techniques, docteur ingénieur Jérôme Frédéric, il est au micro de STV. L'expert technique est un personnage de l'environnement économique camerounais qui, au terme de la loi 90-037 du 10 août 1990, a le monopole dans l'exercice de sa profession qui consiste à constater, évaluer, rechercher les causes d'un bien meuble ou immeuble quand survient un dommage. C'est l'objectif principal de l'expert technique. Et ceci nous amène très très souvent à collaborer dans le domaine de l'industrie des assurances qui est en plein développement au Cameroun, même si nous constatons à notre niveau que l'expertise, le métier ne se porte pas très bien. Voici l'heure de notre magazine spécial consacré à la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui débat dans 10 jours ici au Cameroun. Vous l'avez compris, nous sommes en sport. Après l'aspect médical, l'on s'intéresse ce soir au volet sécuritaire de la compétition. La gendarmerie nationale a d'ailleurs organisé ce matin à Yaoundé un séminaire sur la prévention routière en prélude à la CAN. Makeda Lidignotom, Mireille Siab, Jésus, Pierre, Emmanuel Thibault constitue l'équipe de production de l'Avant-CAN. This time is for the woman, and the woman got the power. With the power, she can conquer every game. She can conquer every game. Salut à tous et merci de nous rejoindre sur STV comme chaque jour. Au menu de cette autre édition de l'Avant-CAN, votre magazine spécial consacré aux préparatifs de la 10e Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. On s'intéresse particulièrement à l'aspect sécuritaire, comment la gendarmerie nationale notamment compte se déployer durant la CAN. À suivre les explications de quelques responsables de ce corps de l'armée dans un instant. Et l'actualité de la CAN est également au menu de cette édition. Dès le 19 novembre prochain, le Cameroun sera la terre d'accueil de la plus grande fête de football féminin
en Afrique. À quelques jours de cet événement, la Gendarmerie nationale se mobilise. Un séminaire de formation sur la prévention routière s'est tenu ce mercredi 9 novembre à Yaoundé. Sur l'importance de ces travaux, je vous propose d'écouter les explications du lieutenant-colonel Henri Chinda et du général de brigade Daniel Elokobi de la Gendarmerie nationale. Ils sont au micro de notre reporter sur place, Mireille Siabji. Le monsieur le secrétaire d'État à la Défense chargé de la Gendarmerie nationale a jugé utile de rassembler les intervenants sur la route, surtout les pelotons routiers et les officiers supérieurs qui descendent avec eux sur la route pour les briefer avant le début de la campagne féminine le 19 prochain. C'est la raison d'être de ce séminaire. Nous allons voir avec nos commandant de peloton, avec les officiers, pourquoi est-ce que subitement les accidents sont en hausse et quelles sont les mesures à prendre pour combattre cet incivisme qui ne dit pas son nom. Et deuxièmement, comment nous attendons les gens qui viennent pour les cannes, la canne féminine surtout, quelles sont les mesures à prendre pour que nos routes soient moins accidentogènes, comment faire pour que les gens circulent librement sans avoir peur. Et comment aussi évacuer les véhicules, les camions surtout qui sont abandonnés sur la route. Vous savez, depuis un certain temps, c'est ces camions abandonnés qui sont à l'origine de beaucoup d'accidents où les petits véhicules rentrent dessus et on a beaucoup de cartons. Là, nous avons pensé, la hiérarchie de la gendarmerie nationale a pensé organiser ce séminaire afin de nous permettre de nous asseoir pour faire le point, n'est-ce pas, du chemin parcouru depuis 2011 dans le cadre de la campagne de contrôle, surveillance et répression des infractions à la circulation routière. Vous savez, bientôt nous allons accueillir un grand événement sportif dans notre pays. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin 2016. Alors nous avons pensé qu'il fallait faire venir tous nos collaborateurs qui sont sur le terrain, ceux qui travaillent à partir des services centraux dans le cadre de cette campagne de contrôle, surveillance et répression des infractions à la circulation routière, afin de redynamiser toutes les équipes, traiter des petites insuffisances qui ont pu être constatées entre-temps, afin que nos routes soient plus sûres pendant la Coupe d'Afrique des Nations et également pendant les fêtes de fin d'année qui s'approchent. On pourra avoir quelques statistiques. Quels sont les dégâts sur la route? Oui, les statistiques qui sont en notre possession montrent que depuis le lancement de l'opération en juin 2011, nous avons réussi, grâce à cette campagne, grâce à l'implication personnelle de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, grâce à l'appui constant de la très haute hiérarchie, nous avons réussi, dans le cadre de cette campagne, à infléchir la courbe des accidents de l'ordre de 23% et à réduire le nombre de morts de l'ordre de 34% sur nos routes. Passons à présent à l'actualité de la CAN. Dans la tanière des Lions Indomptables, nos joueuses professionnelles continuent d'arriver. Mardige Marie Awona, Yvonne Leco et Fallon Mefumetu de Arras FC se sont entraînées au stade militaire de Yaoundé aux côtés de leurs coéquipières. L'actualité, c'est également sur le plan médiatique avec la mobilisation de la presse internationale pour couvrir la CAN féminine au Cameroun. La CAF a d'ailleurs rendu publique il y a peu la liste des journalistes, photographes et caméramans accrédités pour la compétition. Ils sont actuellement 57 hommes de médias originaires des pays d'Europe et d'Afrique, a indiqué la Confédération africaine de football. Celle-ci annonce d'ailleurs l'organisation d'un séminaire d'imprégnation sur la couverture des événements sportifs, spécifiquement à la CAN féminine, ce jeudi 10 novembre dès 10h à Yaoundé. Ce mercredi 9 novembre marque par ailleurs le délai de rigueur de la publication des listes officielles des joueuses retenues par le pays pour participer à la CAN 2016. Le deadline, c'est jusqu'à minuit et l'Afrique du Sud a rendu publique la liste de ses joueuses. Le Cameroun devrait emboîter le pas sur peu. Ce magazine est à présent terminé. Nous vous donnons rendez-vous demain sur ces mêmes antennes pour une autre édition de l'Avant-Can. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
Avant de refermer ce journal, nous vous présentons toutes nos excuses. La liaison avec les États-Unis n'a pas été possible. Merci tout de même d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.